Allez, salut tout le monde, c'est Flojo. Aujourd'hui, on se trouve pour l'épisode 7, si je me trompe pas, de Beyond Two Souls. En fait, ce qu'on dirait, on s'est laissé encore une fois à Navarro. À Navarro, où on a les cheveux courts. Et on a les cheveux courts pourquoi? Parce qu'on était avant dans un hôpital et on s'est barré de l'hôpital. Et on est dans un désert avec les Navarros. Les Navarros, c'est quoi? Ce sont des espèces d'Indiens. Et dans les derniers épisodes, il y a eu pas mal de mouvements comme. Comme des spectres bizarres qui sont apparus un peu à la façon Hayden. Enfin, voilà, j'ai mis en pause parce que je ne sais pas si ça allait continuer ou quoi le jeu. Donc voilà, on est avec le cheval, avec Ashki. On est potes, pas vrai? Je vais juste poser mon pied Donc on va devant toi monter. et grimper, ok? Donc je pense que... Putain. Donc je pense que ça a duré quand même pas mal de temps là. Ce qu'elle a fait. Putain, c'est tendu sa mère. Il faut que je comprenne comment avancer. Et donc là on avance, ok. Hey, qu'est-ce que t'en dis, Ashki? On se débrouille pas mal, hein? Ouais, c'est Ce pas mal. cheval va devoir me dire ton secret. Écoute, je vais au pâturage pour voir les churros. Tu m'accompagnes? Bien sûr. C'est parti. Ah, par contre, on n'a pas le choix. Parce que c'est scripté, on est obligé. Donc on avance comme ça. Oh là! Putain, mais c'est brusque ça, sa mère. Est-ce que tu viens? J'ai du mal, hein? Putain, mais c'est affreux. Attends, on m'a pas touché. Putain, c'est affreux la maniabilité. Arrête de faire de... Putain, la maniabilité. La sensibilité du truc. Elle est affreuse. C'est affreux la sensibilité du cheval là. Putain. Sa mère. Tu devrais peut-être que je vous casse les oreilles. J'ai mis le micro assez fort, donc bon, ça passe, mais bon, on va suivre. Est-ce qu'on... Ah non, on peut pas faire Hayden. Putain, sa mère. Il faut vraiment bouger le joystick, mais oh là, j'ai fait au bon moment. Les churros, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette... J'allais dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas de la merde. Ah oui, c'est les petits bicous, comme je l'aime jamais la dire. Bon, on va go. Go s'asseoir. Écoute, je sais que t'as pas envie d'en parler. Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé hier soir. Entité. Ton père connaît cet esprit. C'est pas la première fois qu'il vient, c'est vrai? Yeitso a toujours été ici. Il vient la nuit pour voler des âmes. Les anciens disaient que nous sommes maudits, que c'est le prix à payer pour vivre sur ces terres. Paul. Et malgré tout ça, enfin, ton père n'a jamais... Il a jamais voulu partir? Non. Pour lui, l'esprit est juste lié à ces terres. C'est comme les roches et le sable, une chose qu'on ne peut pas changer, alors il faut apprendre à vivre avec. Maintenant, à moi de te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu fais vraiment ici, au milieu de ce désert? On dirait que tu essaies de fuir quelque chose. Vérité. Ouais, toujours vérité. J'essaie juste d'oublier. De prendre un nouveau départ. Peut-être que j'essaie de me fuir moi-même. Tu es comme nous. Tu as aussi un terrible secret, pas vrai, Jody? Vérité, toujours la vérité. J'ai... Qu'est-ce que ça lui avance de savoir la vérité? J'ai quelque chose à te dire. Je... C'était Paul. Il n'y a pas d'eau au ranch, le puits doit avoir un problème. J'y jetterai un œil en revenant. Je peux aller jeter un œil si tu veux. Bah,
Je sais pas si tu pourras faire grand-chose. Je me débrouillerai. Dis-moi où est le puits. Il est là-bas. Il a une éolienne. Tu peux pas le rater. Ok. Ok, on va y aller on en cheval. D'accord. Très bien, on va y aller. Go. Go y aller. Attends, mais ça me tracasse un peu. Pourtant, je l'ai baissé. Surtout, tout à l'heure, je gueulais comme un gros pauvre. Donc, c'est là. Bon, ça, l'open world commence pas du tout. Je crois qu'il y avait un open world de fou furieux. Et bon, évidemment, ça nous le indique. Ah, je sais plus. Hein. Ah, là, ça va. On peut pas utiliser Aiden. Bon ok, bon c'est là. Hop là, on va descendre. Putain, l'éolienne elle est embourbée de... je sais pas quoi là. C'est trop bizarre. T'as calé là. Correctement. Ah, je pouvais avancer, désolé les gars. N'importe quoi. Je pouvais avancer, je captais pas. Du coup, là, on met Aiden en scène, évidemment. Il va pouvoir faire. Bam. Bien joué, Aiden. La pompe refonctionne. Voilà, donc je trouve qu'elle est un peu naïve hein, dans ce qu'elle dit, tout ça. Voilà, j'ai juste baissé encore un peu parce que sinon... Ouais, ouais, je fais quelques réglages. ouais. Attends. Ouais, oh, c'est un peu comme les lives, hein. On fait comme on peut. Voilà, donc on va aller voir le gars sûr. Notre gars sûr, MDR. Ah, oh putain. Alors voilà ce gars. Trop bizarre. Ah, il faut qu'on y aille vraiment. Faut qu'on aille où derrière la machine. Alors, putain, mais elle a de ses bras. À moins que ce soit la lumière qui est fait. Bon, c'est tellement bien fait que. On pourrait croire que. Ouais, il y a personne. Des hallucinations. Genre. Ah, mais. What? Genre, elle a. Ok, il y a des bugs comme ça. On sait pas pourquoi, genre, elle s'est téléportée. David Cage. C'est pas ouf, ça, hein, ce que tu nous fais. Tu nous as fait une de ces interprétations là. Wow. Quoi ce bordel là? Attends, c'est moi où je vois un gars mort. Oh. Oh sa mère! Ce qui va bientôt se passer ou quoi? Putain, c'était trop bizarre. Crown. Ah, c'est Crown. Crown, ça veut dire roi. Il me semble. Ou couronne. Je crois que ça veut dire ça. Ça, oui, c'est ça du coup. J'avais mal lu le N. Mais bordel de Dieu, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Allez, prends le... Hé hey. Tu montes dessus, Jean-Jean, là, voilà. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il faut retourner voir l'autre gars de Joe, là?
je pense. La logique voudrait que j'aille le revoir et lui dire machin, hein, comme dans un RPG. Ah, tranquille quoi. Il était où? Il me semble qu'il était au-dessus. Les vibrations ont mieux que la Switch quoi. Le mec est trop médisant. Sur la Switch. Oh là là. Il était où? Coup de frère. Ah il était là. Ah il est là. Je suis parti hyper loin. T'as trouvé l'éolienne? Ouais, je crois que je l'ai réparée. Et est-ce que le nom Crown te dit quelque chose? Crown? Ah, c'est peut-être un nom. Enfin, il y a des ruines au nord d'ici. Je crois que c'est tout ce qui reste du vieux fort Crown. Mais il n'y a rien là-bas, juste des pierres dans le désert. Au nord? Ah, ok, merci. Je dis rien. Le mec il dit rien. Il dit ok, vas-y. Vas-y, tue-toi, meurs. Meurs. Mais ce qu'on va essayer de faire, on va aller mourir. Alors, on va go. Au nord d'ici. Le nord, on m'a dit la mousse. C'est toujours au sens inverse. Dès qu'on voit de la mousse, c'est au sud. Et c'est l'inverse, c'est l'opposé, donc c'est le nord. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Il faut le vérifier. Sachant qu'on était dans ce petit, dans cette petite paille là, petite boîte en paille là, on va aller par là-bas. On se croirait dans MGS5, mais en mieux. Non, quoique, MGS5 est un peu mieux je dirais. Voilà, c'est beaucoup plus coloré, on se sent plus dans un désert. Alors que MGS5 c'était un peu grillard. Alors, est-ce que c'est par là qu'il faut passer, à mon avis? Peut-être. Moi, je suis de chemin. Là, il faut suivre le chemin. Tranquillement, tranquillement. Putain, mais c'est des zones vides. Putain, c'est fou. Fort Crown, ouais, c'est ce que le mec disait. Putain, il y a deux pierres qui... C'est trop bizarre ça, on va aller voir. C'est une espèce de vestige. Avec des tombes. Non, ça n'a pas l'air d'être des tombes. Ça va plutôt d'être un... quelque chose, Aiden? Ah ouais, bon d'accord. Vraiment, Aiden, faut qu'il soit là. Une épée. Ah d'accord, c'est la même chose. Ah, comme on avait fait au condensateur, au condenseur. Ok, il y a des gars qui se sont fait démonter. Une entité. Elle a massacré les soldats du fort. Est-ce que c'est Yeitsu? J'ai vu deux trucs briller, je suis pas fou. Ah si, là. Ah, ça veut dire que t'as même pas besoin de... L'arbre fourchu. Je dois le trouver. À mon avis, suffit juste de continuer sur le chemin. On devrait le trouver. C'est qu'une intuition. Non, pas du tout. Pas du tout une intuition.
L'arbre fourchu. Ah, il veut que j'aille là? Vraiment? Non, ça sert à rien, on va pas aller par là. Oh là là! Que me fais-tu, voyons? Voilà. Ça y est, on est dans MGS5. Les cailloux, c'est insupportable. L'arbre fourchu. Ah, c'est là. Ok. On descend, on va voir, on enquête. Hein. Il n'y a rien. Ah si, attends. Je crois que j'ai vu un truc. Ah non, c'était le ciel qui m'a joué des tours. Ouais, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ici? Bizarre. Bah, je vois pas grand chose. Ah, c'est quoi ce grand X là? Ah, bah voilà. Con. Une grande espèce de grand X là, bizarre. Gratte. Putain, on a trouvé un trésor. Ok. Ils ont été tués par l'entité. Bah, par Aiden, enfin une espèce d'Aiden quoi. Toujours même mec. Porter des masques rituels. Là, évidemment, ça va être les autres là. Ah non. Merci, Aiden. Oh putain. Ouais, t'es creuse, mais what the fuck. Bizarre. Celui-là n'a pas de talisman. Putain. Je pars en couille. Un bébé. Ils ont pas l'air si méchants que ça, je pense. Du cou du bébé. Aide-moi, Aiden. Il faut que je voie ce qui est arrivé. Ah mais arrête. Voilà. Ah oui. On fait le machin. Putain, fais pas des trucs comme ça là. Tout est mélangé. On dirait qu'il manque quelque chose. C'est bizarre. J'ai montré le talisman à Paul. Il sait peut-être quelque chose. Ça sauvegarde. Oh putain. Ça va partir une couille, moi je te le dis. Je le sais, hein. Et avance là. Où est-ce que je dois aller là?
On n'est pas devant la, déjà devant la maison aussi. What? Cette incohérence quoi, trop bizarre. Oh putain. Elle démarre maintenant, saloperie. Elle démarre pas, Jay. Elle démarre pas. L'entité la vient par là. On doit regagner la maison. Je pense pas que ça nous aide. On n'a pas d'autre choix. Mon père l'a dit, on ne peut pas battre un esprit. Hélène dit rien, elle va parler au dernier moment, tu vas voir. Oh putain, les yeux sont ouverts en mode... Trop bizarre. Mais que tu... Mais... Ah non, je me disais c'était bien, faut qu'il fasse ça. Peut-être que je contrôle. Est-ce qu'il faut que j'aille... Non, faut que je fasse. Faut que j'aille la mettre dedans. Ah mais putain. Ah David Cage fait des jeux de merde. Non, il fait pas des jeux de merde. Presque. Si je parlais à la grand-mère, tiens. Oh, cette couverture. C'est celle qui était sur ce bébé. Ma mère me l'a donnée. Comme sa mère avant elle. Toi, j'ai dit à parler. Elle m'a aussi donné ceci. Le cinquième talisman. J'ai pris direct. Encore des identités à la con. Ils invoquaient Yeitsu ici. Ils étaient perdus, pleins de haine envers l'homme blanc. Ils l'ont appelé pour tuer leurs ennemis et prendre leur revanche. Mais ils sont écrits à eux. Il avait encore soif. Soif de sang. Yeitsu est revenu. Il est là pour prendre nos vies. Vos ancêtres, ce sont les gardiens qui protègent la maison, pas vrai? Ils ont compris leur erreur, alors ils sont revenus pour nous protéger contre le mal qu'ils avaient libéré. S'ils ont amené l'entité ici, enfin, il doit bien y avoir un moyen de la renvoyer dans son monde. Ils ont suivi un rituel pour ouvrir le passage. Je me souviens encore de l'incantation, mais le rituel s'est perdu dans le passé. Je l'ai vu. J'ai vu le rituel dans ma vision. Je vais le préparer et vous pourrez m'aider à dire l'incantation. Fais vite. Il arrive. Ok, donc faut faire quoi? On est dehors? Ok, allumons un feu, faire le rituel apparemment. C'est ça pour les entités. Je pense que Aiden n'y est pas. n'est pas là par hasard non plus donc. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, on fait un truc pour allumer le feu. À
Allez, cours, 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 Jody, cours. On n'a pas que ça à foutre. Fous-moi ça. Par terre. Fous-moi la jarre. La jarre du... Putain. Pas la moment de se gratter le nez. Jody, c'est quoi ce bordel? Crois-moi. Je sais ce que je Jody, fais. Jody, il faut qu'on y aille. La tempête arrive. Laisse-la faire, Jay. Shimasani, tu peux parler? Vite, Jody. Tu dois trouver un bâton. La voix de Riku. De... Le bâton, hein, allô? J'ai pas compris. J'ai pas capté. Si, j'ai capté. Bâton pour faire la croix. La croix du bordel. Et c'était ça. Il semble que c'était ça. Je sais pas si je me fail. Est-ce que ça va le faire? Ça y est! On a les 5 âmes! J'imagine, ouais. Commencez l'incantation maintenant! Et maintenant? Oh! Toi ça. Ok. Putain, c'était plus simple que je le pensais. Shimasani! Aucun homme blanc n'est jamais allé à l'endroit où je t'emmène. Mon peuple y enterre ses morts depuis plusieurs centaines d'années. Ah, nous voilà. Donc, toujours avec Jody. Pour nous, c'est un lieu sacré. Ok. Oui, je bouge souvent le truc. Hein. Ça en fait pas. Donc voilà. Donc on est toujours là, hein, au final. Oui, c'est Jody. Évidemment.
Je sais pas si on est morte ou quoi, ou si c'est un flashback ou je sais pas quoi. Maintenant que ce soit un flashback. Hein. Mais bon. On avance tranquillement. Dans le désert. C'est qui celui-là? Pourquoi il a un bandeau? Pourquoi il y a un autre cheval? Tiens, on va descendre. Faut vraiment faire ça ou oui, il faut faire ça. Ok. Incohérence. Encore une fois, David Cage, elle a sauté trois marches alors qu'elle a fait juste une marche. Mais bon, ça. C'est David Cage, évidemment. Il se précipite trop, David Cage. Il veut faire bien, mais il fait pas trop bien. C'est ce qui est dommage, d'ailleurs, au final. Donc, on va aller voir les gars qui. Ah, ils enterrent leur grand-mère. Ou leur père, je sais pas. Ouais, ils enterrent leur grand-mère. C'est ça. Parce qu'on a le drap. C'est leur grand-mère. Et son père. Malheureusement. P.A.E. Rest in peace. De vos ancêtres. Je suis sûre qu'ils auraient souhaité être enterrés auprès de leur peuple. Une minute de silence et on referme. On referme. J'aurais pu sauver Paul. J'en suis sûr. Non, ce n'est pas ta faute. Mon père est avec Shima Sani et ses ancêtres. Il est bien où il est. Oh, il a des pop. J'ai pas compris. Voilà, on marche en plus sur ce. Sur les trucs, c'est assez dégueulasse. Au final, j'ai pas beaucoup utilisé Aiden hein, dans ce chapitre-là. Enfin, si je l'ai utilisé pour combattre le machin, tout ça, blabla. Mais je l'ai pas. Finalement, je l'ai pas si utilisé que ça. Hein. Donc, je sais pas si c'était vraiment utile au final. Je l'ai pas utilisé beaucoup beaucoup. Ah. Encore une... Elle veut monter là-haut alors. Ben montons là-haut. Ce qu'il nous dit d'aller là-haut. Bah là-haut, il nous demande d'aller haut, d'aller en haut. On va aller en haut. Toujours le même mec avec le masque. On annonce à peu près ce que c'est. C'est des gars qui voulaient le faire rituel, ils se sont fait niquer. Ah, attends. Atta. Ah non, Atta. J'ai fait L1 au lieu de R. L2, L1. Je me gratte un coup. Putain, je suis dans une pièce où il fait chaud, chaud, chaud. C'est un truc de ouf. Donc là, évidemment, le petit coup. Évidemment, c'était prévu d'avance.
ta décision est prise. Tu t'en vas ? J'ai encore quelques trucs à régler. Des trucs de mon passé. Je crois que je suis prête à les affronter. Tu as fait beaucoup pour nous, Jody. Pour nous et pour notre peuple. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, reviens nous voir. Tu es chez toi ici. Tu vas me manquer. Toi aussi. Je t'oublierai jamais, Cory. Putain, mais ses lèvres, putain, elle met un baume à lèvres là. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Ashki, tu vas lui manquer. Mais je reviendrai le voir un jour. Étrange, on va pas l'embrasser parce que c'est pas. Ah non. Non, les gars, on va se calmer. On le connaît à peine, voilà. On va juste étreindre, les gars. Calmez-vous. Hé, hey, Jody ! Tu pensais quand même pas y aller à pied, ici. Oui, vous êtes peut-être déçu, hein. C'est pas, j'aurais pu l'embrasser, mais... C'est vrai que c'était un peu brusque. Vas-y, prends-la. Zébardi, avec la mouton. Merci. On est parti, let's go les enfants. On dit au revoir. L'embrasser serait trop simple, j'ai envie de vous dire. Ah mais il est là. Ah oui, mais d'accord. C'est pour dire qu'ils sont toujours soudés tous les quatre, alors qu'il y en a quand même deux au cimetière, quoi. Ok, très bien. Navajo. Alors, Aiden n'a pas exploré la maison. Ah merde, bah, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Moto non répar... Ah, j'aurais pu réparer la moto. Ok. Vérité dite, rituel accompli. J'ai eu dans la salle avant de partir, n'a pas sauvé Paul. Ah, j'aurais pu sauver Paul. Ok, très bien. Oh putain, d'accord. Sauvé par les fantômes, resté à l'intérieur. Ok, les gars, j'aurais pu faire des trucs, je ne les ai pas fait. La rupture. Voilà, comme je vous l'ai dit, il manquait 2-3 trucs. Rupture. Ça, c'est juste après. Bon, bah on va faire ça. Cole, allez-y, j'enregistre. Concentre-toi, Jody. Dis-moi si tu ressens quelque chose de spécial au contact de l'un de ces objets. On va prendre déjà celle-là. Qui est-ce ? Ah, j'aurais... Putain, j'étais trop vite, là. Je ressens rien du tout, mec. Qu'est-ce qu'il veut que je ressente ? D'ailleurs, le plus belle avec ses cheveux longs. Bon, les cheveux courts aussi, c'est pas mal. Tu vois quelque chose, Aiden ? Merci, papa, c'est vraiment super joli. Ouvre-la. Mais ça s'est passé il y a pas longtemps, donc pourquoi... Jody ? Tout va bien ? Ok. Oui, oui, je vais bien. Tu as vu quelque chose ? Parlez. J'ai vu une petite fille. C'était sa boîte à musique. Oui. Nathan ? D'accord, je lui dis. Nathan, un certain Ryan Clayton est là pour te parler. Il dit que t'es au courant. Oui. De quoi encore ? Reviens dans un instant. Ok. Ouais, donc il faut que j'utilise beaucoup plus Aiden. C'est vrai que là, je l'ai oublié, complètement oublié. Aiden, donc c'est...
complètement snobé, Aiden, quoi. Alors j'aurais pu très bien l'utiliser, hein. Pas ça le problème. Bon, on va visiter un peu, on a un peu de temps. Tranquillement, quoi. Tranquillement, tranquillement. Est-ce que... Oh, bon, on peut parler à lui. On peut s'asseoir. Okay, très bien. Ah, combien de temps, Nathan, visiteur? Nathan. Dis, tu trouves pas que Nathan... Je sais pas comment dire. Il se comporte bizarrement, ces temps-ci. Il essaie de récolter des fonds pour le labo en ce moment. Peut-être que ça le tracasse, tu sais comment il est. Ok. Combien de temps? Il en a pour longtemps? Du calme, princesse, il sera là dans une minute. Visiteur. Est-ce que tu connais le gars qui est venu voir Nathan? Pas du tout. Attends, je suis bête. Attends, on va pas lui poser ça tout de suite. Écoutez, j'ai jamais trouvé le bon moment pour lui dire. J'ai besoin d'un peu de temps. Non. Professeur Dawkins, je dois l'emmener aujourd'hui. J'ai des ordres. Mais enfin, ce n'est encore qu'une offre. Et puis après, voilà aussi, il y a... Ok. On est la seule famille qu'elle est. Ok, tout se recolle. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe dehors. Écoutez, Dawkins, je comprends ce que vous ressentez. Sincèrement. Mais les ordres sont les ordres. Vous allez me l'amener ou je dois aller la chercher? Ok. Judy, tu peux venir s'il te plaît? Tu peux venir s'il te plaît? Oui, je vais venir. Pour la CIA. On connaît, on l'a vu. Qu'est-ce qui se passe, Nathan? Tout va bien? Judy, voici Ryan Clayton de la CIA. L'agence a demandé à ce que tu rejoignes le programme de l'école militaire à Camp Perry. Ryan prendra soin de toi à partir de maintenant. Tu dois partir avec lui, Judy. Aujourd'hui. Pourquoi? J'y comprends rien. Pourquoi moi? Cette unité appartient à la CIA. Ils suivent tes progrès depuis ton arrivée ici. Ils savent ce que tu es capable de faire avec Aiden. Déterminé. Je suis plus une gamine. Je suis assez grande pour décider toute seule maintenant. Rien ne m'oblige à y aller. Je dis, écoute. Je sais que c'est difficile, mais il faut que tu comprennes. C'est une belle opportunité pour toi. Cynique. Oh, alors c'est comme ça? Tu sais ce qui est mieux pour moi, et je suis juste censée fermer ma gueule et obéir aux ordres. C'est pas vrai, écoute-moi bien. J'en ai rien à foutre de ta putain de crise d'adolescence. D'accord? Alors tu peux pleurnicher tant que tu voudras, mais tu vas la fermer et faire ce que je te dis. En colère, en fait. Ah non, ah non, ah non! Non. Je te dis, arrête ça tout de suite. Je t'en prie. D'accord, en colère, c'est faire sortir Aiden. Très bien. Je vais chercher mes affaires. Ok. Prends juste l'essentiel. On a tout ce qu'il faut à Camp Perry. Puis après, on connaît la suite, hein, évidemment. Je
Apparemment, c'est triste. On connaît tout ce qui s'est passé ensuite, donc c'est l'ordre de David Cage. J'ai voulu le laisser comme ça, parce que ça me semblait juste et qu'il fallait le laisser dans cet ordre-là pour pas refaire le jeu dans le bon sens, parce que si l'auteur a voulu que ça soit comme ça, autant le faire comme ça, quoi. Y a pas à chier, pas de tortiller du cul. Mais voilà, après on sait tout ce qui se passe ensuite, donc tous les trucs qui s'est arrivé là, ça n'avait aucun sens qu'ils soient arrivés par la suite. Enfin, c'est bizarre de l'avoir mis dans le désordre au final, mais bon. Ah. Oh, on peut être vénère quoi, tout casser. On va tout casser, hein. Bam, bat les couilles frère. Ça suffit. On est obligé ou comment ça se passe? Ok. Peut-être derrière, attends. Ok, mais ouais, mais... C'était quand même un petit appartement. Ah, attends, si. On va prendre la photo, évidemment. Elle l'a arraché. D'accord. Ok. Très bien adoré. Tu veux que je fasse quoi d'autre là, frère? Putain, pardon, je... Il y a une autre caméra là-bas. Bam, les caméras. Ça va les couilles, pourquoi vous voulez me regarder là? Mais qu'est-ce qu'il veut que je prenne en plus là, what the fuck? On a nos chaussures, blablabla. Attends, il y avait un truc. Je comprends pas là ce qu'il faut faire, David Cage, tu me laisses un peu perplexe là du coup. David Cage. On est triste, ok, mais ouais, mes frères, c'est trop long. Ça dure 10 ans là, ces conneries. C'était ça, je voulais faire ça depuis le début là, mais... Je n'ai pas capté. Il y a plein de références d'ailleurs, hein, mais... que j'ai pas forcément vu ou quoi. Référence à la musique. Mais frère, y'a quoi d'autre à prendre, bordel? Ah, son lapin. Évidemment. On va quand même le prendre, hein. On va pas le laisser. Oui, parce que je suis comme ça, hein. Si elle tient à son truc.
Autant le prendre. Mais putain, mes frères, que tu veux que je fasse d'autre là? Putain, il me fait toute une cinématique pour. C'est quoi ce truc de gameplay là, David Cage, bordel? C'est relou là, David Cage. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, David Cage? Putain, mais c'est relou. Et bam! Pas les couilles. Bon, ben, tu sors pas, mec. Putain. Franchement, je comprends pas, David Cage. Je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais. Franchement, on croit que tu le fais exprès, David Cage. Mais tu veux qu'on fasse quoi là, Sandek? Oh là là, c'est affreux. Ok, c'est juste du machin. Ça me fatigue, David Cage, à rien faire là. Ah voilà, putain. Oui, on va l'emporter aussi. On tient quand même à eux, oui, on garde tout quand même. Ok. C'est bon là quand même, non? Ça suffit. Voilà. Tout ça pour ça, quoi? Partir ou rester? Si je reste, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il manque des trucs? Ah ben ouais. Tu peux rester, mais tu peux. Enfin, il faudra quand même partir au bout d'un moment. C'est quoi ce choix au pif au mètre là? Ils viennent me redemander, voulez-vous partir ou quoi? Bien sûr qu'il faut partir. T'en fais pas. Je suis sûr que ça va aller. Tu vas trop m'en manquer, tu sais, princesse. Je viendrai te rendre visite dès que possible. Je ne t'abandonnerai jamais. Je sais, pas vrai. Je serai toujours là pour toi. On doit y aller. Ok, rupture là. Fini, on va s'arrêter là, ça fait déjà 58 minutes. À menacer Clayton, à raconter des visions à Dawkins. Clayton est espionné, ok, bon, on s'en fout.
et le dîner. Et c'est après la CIA. Donc après là, j'ai fugitif. Non, on va laisser ça comme ça, mais on verra ça pour le prochain épisode. Oui. Donc voilà, bon, on a fait le Navarro, donc on a fini Navarro. Et puis voilà, on a fait la rupture, voilà. Bon, un épisode assez court au final, enfin, dans l'histoire, c'était assez court. On n'en a pas su grand-chose, mis à part la rupture, machin, comme on a fait pour aller à la CIA. Mais au final, voilà, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Mais voilà. De toute façon, on sait tous que... Bah, là, il les a mis dans le désordre, mais en fait, le fait de le mettre dans le désordre, ça fait que c'est incohérent. Il y a des trucs, je sais pas s'il a bien géré son truc, mais il y a des fois, on pourrait croire que c'est incohérent. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus sur cet épisode-là. Ça fait déjà une heure. C'est très long. Il me reste 70 gigas sur mon PC. Donc... Bref, on va se laisser là. Je vous dis à très bientôt. C'était Follow Jaune. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, commenter la vidéo. Et j'ai très chaud. Évidemment, c'était une rime. Trop marrant, pas du tout. Je vous dis à très bientôt. C'était Follow Jaune. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, commenter la vidéo. Et bien, n'hésitez pas non plus à aller vous abonner à la chaîne Follow Jaune. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.